Eh hey oh, je vous dérange pas peut-être Je vous ai pas payé à rien faire Excusez-moi, je dormais. Et bienvenue dans ma Early Lego minifigure showcase. Et bonne nuit ah, Peu importe. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early Lego Minifigure Showcase, la Early Lego Minifigure Showcase numéro 127, sur la minifigurine apparue dans la série Lego Disney Minifigures du centième anniversaire, la minifigurine de Aurore, alias la belle au bois dormant. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien du célèbre personnage qu'on voit dans le grand classique Disney, la belle au bois dormant de Disney, un classique Disney que personnellement je n'ai jamais vu de mon côté, mais j'ai déjà entendu parler de certains des personnages, dont notamment Maléfique, l'antagoniste du film, qui d'ailleurs ce personnage aura le droit à sa série de films avec Angelina Jolie, hein, les films Maléfique respectivement sortis en 2014 et 2019, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas j'ai aussi entendu parler des fameuses trois fées, euh, les... celles qui sont rouges, vertes et bleues. Par contre, je me rappelle plus du tout de leurs prénoms, donc euh, vous m'en excuserez. Mais en tout cas, je regarderai ce classique Disney avec un grand plaisir, car on, on, on m'a dit que du bien de ce classique Disney. En tout cas, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, ce que vous vous en pensez de chaque minifigurine Lego que je vous présente dans mes Early Lego Minifigure Showcase. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez de cette minifigurine de Aurore, la belle au bois dormant, parce que moi personnellement, je trouve qu'elle représente vraiment bien la célèbre princesse Disney qu'on connaît tous, hein, bien évidemment. Je trouve qu'elle représente vraiment bien le célèbre personnage du grand classique Disney, la Belle au bois dormant. En tout cas, nous allons tout de suite commencer cette Early Lego Minifigure Showcase. Donc, comme vous avez pu le voir, elle a sa fameuse couronne au-dessus de ses cheveux, une couronne dorée qui est très très utilisée hein, dans beaucoup de sets Lego, hein, parce que je me rappelle qu'ils avaient déjà fait cette pièce Lego pour euh, un set Lego La Belle et la Bête euh, de Lego Friends ou quelque chose comme ça, de Lego Princesse Disney plus précisément. Mais en tout cas, cette couronne est vraiment magnifique pour ma part tout comme les cheveux d'ailleurs d'ailleurs ce personnage a une double expression aussi bien évidemment on peut voir qu'elle est très clairement endormie bien sûr parce que de l'autre côté c'est un visage un visage ben, où elle est réveillée justement donc voilà où elle est très souriante en revanche de l'autre côté ben elle est endormie hein, d'où le fait que cette princesse c'est bel et bien la Belle au bois dormant en tout cas, elle a de très jolis cheveux, encore une fois, vraiment une pièce Lego qui est juste magnifique. Je félicite Lego d'ailleurs pour cette pièce des cheveux, très clairement. Et comme vous avez pu le voir, bien sûr, elle a un hibou en guise d'accessoire sur sa main droite. Alors je ne sais pas si ça représente un personnage très important dans le classique Disney, mais en tout cas, je tiens à le préciser qu'elle a quand même un hibou hein, juste à côté, un hibou qui me fait étrangement penser <laughs> au personnage du grand hibou dans le classique Disney Winnie l'ourson. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais ça me fait très clairement penser à ça. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu réutiliser cette pièce pour le set Lego Lego Ideas Winnie l'ourson très clairement. Je pense qu'ils auraient très bien pu utiliser cette pièce du hibou. Mais bon, voilà, juste pour petite précision que ça me fait penser à ce personnage. En tout cas, le hibou aussi est magnifique. Le reste de la mini figurine est magnifique, hein, que ce soit au niveau de sa robe, au niveau de sa tenue imprimée, tout ça. Vraiment, cette mini figurine est magnifique. Je vais vous la remontrer encore une fois pour que vous puissiez, bien sûr, l'admirer en détail. Mais vraiment, je tiens à féliciter Lego encore une fois pour avoir fait cette sublime minifigurine qui est juste magnifique mais jusqu'au bout. Hein. Vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette minifigurine de cette série Lego Disney du centième anniversaire représente très très bien la minifigurine, le personnage, excusez-moi, de la belle au bois dormant du classique Disney. Vraiment, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça parce que franchement, je félicite Lego en les applaudissant. Et en leur accordant, comme toujours, une note de 20 sur 20 pour avoir fait cette minifigurine de Aurore, la Belle au Bois Dormant, qui représente tellement bien le célèbre personnage du grand classique Disney. Donc voilà, c'était la Early Lego Minifigure Showcase numéro 127. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Et bonne nuit.